Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto pour utiliser du coup le serveur de 24 minutes chrono. Le serveur 24 minutes chrono est un serveur de jeu de rôle accessible pour les joueurs et les viewers de la chaîne Twitch Kamedolm, de la chaîne YouTube Kamedolm Komira, et bien entendu des joueurs intéressés pour jouer dans le multivers des grandes portes. Si vous cherchez à rejoindre du coup le serveur 24 minutes chrono, il vous faudra me MP lors d'un live Twitch ou m'envoyer un MP pour m'envoyer du coup vos motivations afin que je sache que vous êtes vraiment un joueur et non pas un bot. Et une fois que ça sera fait, je vous fournirai un lien pour venir jusqu'au Discord pour participer soit en tant que viewer, soit en tant que joueur. Sur le serveur 24 minutes chrono, nous jouons dans un multivers multitable en 5e universalisé, ce qui veut dire que nous jouons sur plusieurs univers préexistants ou maisons, avec pour certains univers, voire la plupart, un multitable, c'est-à-dire plusieurs tables qui jouent dans le même univers, dans la même phase chronologique, et qui peuvent de ce fait avoir une interaction entre elles, et que ça soit bonne ou mauvaise, non seulement du coup au sein de l'univers, de leur univers, et aussi des autres. Maintenant, le concept de 5e universalisé. Chaque univers garde ses règles spécifiques dues au lore et à la complexité de son ambiance, mais il est possible que chaque personnage puisse aller d'un univers à l'autre sans avoir besoin de changer de fiche de personnage. Il se fera du coup pour moi en tant que MJ simplement de transférer la fiche d'un univers à l'autre et au PJ de la récupérer. L'autre chose, c'est qu'un certain nombre de compléments autour de la fiche de personnage sont mis à disposition des joueurs. C'est le cas entre autres d'une possibilité de créer une maison, une organisation ou une communauté qui leur permettront de gagner des points d'XP en plus en l'utilisant, enrichir leur lore personnel et par la même occasion celui de l'univers, de pouvoir gagner plus facilement certains combats, gagner des avantages aussi. Il va être possible aussi pour les joueurs de faire évoluer leur historique, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à évoluer avec leur classe par niveau, mais à chaque niveau gagné, ils vont gagner des XP. Avec ces XP, ils vont pouvoir acheter des compétences, des points de caractéristiques, même des points de compétences, des aptitudes, des maîtrises en plus grâce à ce qui peut être proposé par exemple dans l'héritage des anciens, un site qui recense toutes les aptitudes et talents, compétences et talents, quand on regarde bien, de Warhammer, que du coup on adapte pour Donjons et Dragons et qu'on rajoute pour donner un intérêt à l'historique. Il sera possible aussi de bien complexifier ou étoffer son personnage par l'attribution de points psy qui, lorsqu'ils seront utilisés, causera des soucis psychologiques au personnage lorsqu'il sera traumatisé. Donc le PJ ou le joueur sera obligé de le jouer en RP et gagnera par ailleurs des XP
de RP. Il aura également la possibilité d'utiliser des points d'héroïsme et de piété. Piété, c'est surtout dirigé pour ceux qui sont dans un culte, mais n'importe quel personnage peut faire partie d'un culte ou du moins prier un dieu. Cela n'est absolument pas interdit. Ce qui lui permettra du coup de gagner des points de piété, et avec ces points de piété de gagner autant de D6 pour n'importe quel jet durant la partie, qui ne seront pas infinis bien entendu, qui devront être en fonction du choix d'utilisation ou de la façon dont vous priez ou de l'intérêt que vous portez à votre culte, pourront être renouvelables soit par une prière, soit par une position hiérarchique dans votre culte qui vous permettra de les récupérer automatiquement le lendemain après un repos long. Pour les points d'héroïsme, il s'agira d'un défi insurmontable pour lequel le joueur souhaiterait utiliser ses points d'héroïsme, qui équivaut à un point d'héroïsme par niveau, qui correspond à un D6 utilisable aussi pour améliorer son jet. Tout ceci sera possible à utiliser, que ce soit la piété ou les points d'héroïsme, grâce aux deux caractéristiques supplémentaires que nous offrent les fiches 5e édition, soit l'honneur et la santé mentale. Et ça leur permettra du coup de gagner des points d'XP supplémentaires pour leur table. Point important également, ça va être de comprendre que chaque table ne gagne pas des XP pour chacun, ni pour chaque table, mais gagne des XP pour l'ensemble des PJ jouant dans l'univers. Bien entendu, certaines tables ont commencé pas en même temps que les autres, parce qu'ils ont souhaité ou parce que ça s'est fait de cette façon. Il peut arriver, par exemple, que sur un univers, il y ait des tables qui soient niveau 7 et d'autres niveau 3. Ce qui veut dire que toutes celles qui sont niveau 7, par exemple, que je vais appeler les primes, toutes les tables niveau 7 seront des primes et réuniront leurs XP ensemble. Et du coup passeront de niveau ensemble. Pareil pour les niveaux 3 par exemple, que j'appellerai les seconds, qui une fois qu'ils auront gagné suffisamment d'XP pour passer niveau 4, passeront tous niveau 3. Tous les seconds passeront niveau 4, pardon. Voilà comment fonctionne l'univers. Donc ce qui veut dire que les XP qui gagneront en étoffant leur personnage profitera à tous les joueurs d'un même niveau dans le même univers.